j'ai l'impression que ce sera vraiment le départ d'une reconquête et d'une recomposition politique, mais qui risque d'aller beaucoup plus loin que la recomposition qu'on a connue il y a 5 ans. Tout ce qui m'a surpris, c'est son discours sur la réindustrialisation. Ça, c'est quelque chose que M. Macron, maintenant, met un peu l'accent dessus avec le nucléaire. Mais c'est un discours qu'on attend depuis des années, et enfin on a quelqu'un qui vient de le dire et qui vient même pas de la sphère politique. Moi je trouve ça quand même assez admirable. La foi qu'on retient, les gens qui sont enthousiastes, qui se lèvent, qui brandissent des drapeaux, qui clament, qui reprennent des slogans, ça moi c'est ce qui m'a vraiment marqué, c'est la foi. C'est, on a le sentiment que les gens ici se disent ça y est, il y a quelqu'un qui nous a compris, il y a quelqu'un qui va nous emmener loin, et on aime ce pays et il va nous aider à finalement à le continuer, à le maintenir.